Salut les amis, ici NYSAT sur le NYSAT Show. Aujourd'hui, nous sommes sur Need for Speed Payback. Donc là, je vais voir avec vous les épreuves Titan. Les épreuves Titan. Donc là, c'est parti. Donc là, c'est la première épreuve parmi toutes les épreuves Titan. Elle se situe au nord-est de la carte. Bon, en gros, on va dire tout en haut à droite. Alors, on va épurer un petit peu ça. Donc, elle se situe là. Donc, là, normalement, vous avez une station à ce niveau-là, à peu près. Ouais, c'est cette station-là. Donc, vous y allez, puis vous rendez là au calme, tranquille, sans complexe. Donc, c'est parti. On va aller tester ça. Atteignez 225 km/h. C'est parti. Car ça vous êtes contre la montre. Un petit contre la montre. Est-ce que je vais réussir? Faut savoir que moi et la montre, c'est pas trop ça. Oh, au moins, on vous donne un véhicule. Voyons ce que ça donne, ce qu'il vous faut. Hey. Ouais, il est pas trop mauvais ce petit véhicule. Apparemment, vous conduisez avec Jess. De mission. Vu les bruits qu'elle fait lorsque il y a un choc, c'est Jess. Allez, allez, allez. Ouais, je respecte pas vraiment la route. Faut le voir, du moins le savoir. Du moins comme vous le voyez. C'est pas trop mal. Donc... Quoi, c'est tout? Ah non, c'est un checkpoint. Je croyais que c'était la fin. Putain, comme je regardais pas devant moi, je regardais à peu près la carte. Ouais, cette petite Audi là, elle est pas trop mal. Bon, je la verrais un petit peu plus rapide, mais elle est pas trop mal. Oh gars, là il y a un ticket. Un jeton. Donc, ce que vous dites, moyen d'avoir de l'argent dans les panneaux, divers emplacements, je ne les ai pas encore tous trouvés. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait de vidéo sur l'emplacement des jetons et des panneaux. Donc, si vous voulez que je les fasse directement, afin que vous puissiez savoir déjà où se trouvent ceux que j'ai déjà débloqués, faites-le savoir en commentaire, sinon je pense que j'attendrai d'avoir de les avoir tous trouvés afin de vous faire part de cela dans une vidéo. Je vais pas faire point par point où ils se trouvent, parce que les jetons, une fois que vous les avez trouvés, ben c'est mort, hein. Ils n'apparaissent pas, mais sur la carte, vous avez leur positionnement. Les panneaux, c'est tout autre chose. Par la rigueur, je pourrais vous montrer où ils se trouvent précisément. Donc, pour les panneaux, il m'en reste, je crois, 3 ou 4 preuves. Ah, alors, vous en avez... Vous avez deux
contre la montre, deux fois contre la montre à faire. Est-ce que c'est le même circuit en voiture différente? J'aurais peut. Ça, c'est une voiture de mission, je crois. Oui. Mais elle peut aller plus. Normalement, une voiture, un véhicule. Bon, apparemment, c'est la même course. Le chrono doit être différent, je pense. Oh, purée. À chaque fois, je me fais avoir. Au lieu de regarder devant moi, et je me fais avoir. Bon, on va pas trop s'éterniser non plus sur ce cas-là. Mais si c'est la même course que je dois faire trois fois, ou si c'est comment dire peut-être comme vous, parce que c'est pas sûr que les abonnés que je, vous les abonnés que j'ai, ou vous, personne qui visionnez ma vidéo, n'ayez pas encore fait ce genre d'épreuve. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça, s'il faut faire exactement les mêmes, gagner trois fois la course, genre arriver premier, ou bien dans le délai imparti, ou quoi d'autre. Ou si faut faire vraiment gagner trois fois, mais dans des courses différentes. Je ne sais pas. Après, avant, j'aurais peut-être dû vérifier avant de valider la course, en fait. Mais on va le savoir tout de suite. On va le savoir tout de suite. Du moins, dans quelques. Ah, ben ça me donne une chance de récupérer le jeton. Et voilà, jeton récupéré. Vous voyez, 54 sur 100. Pour les jetons, c'est 100 jetons. Les jetons, ce sont jetons et les panneaux. C'est effectivement 30 panneaux, je crois. Oui, 30 panneaux. J'en ai trouvé 14, je crois, des panneaux. Non, ce ne sont pas les panneaux que j'ai trouvés. J'ai pas complètement occulté certaines choses parce que, comme vous le savez bien, la plupart des mecs, ils peuvent pas vraiment véritablement faire. Deux choses à la fois, donc vraiment un effort de concentration. Ah, purée. Vis-à-vis de la route, de ce que j'ai vraiment véritablement à dire, et en même temps penser à ce que j'aurais à dire par rapport à certains faits, c'est assez spécial, c'est assez spécial. Et voilà. Oh, moi j'ai. En plus, j'ai battu mon record presque une seconde. Et nous le saurons dans un instant. Non. Ah, alors apparemment, ce sont trois courses. Trois courses. Vous ferez rodéo du camion dans une prochaine vidéo. Donc là, normalement, je dois me rendre ici. Téléportation. Donc, je vais pas m'éterniser non plus, afin que mes vidéos ne soient pas trop longues et trop lourdes pour vous, en fait. Et je pense que ce sont les vidéos de live, pardon, que je pourrais faire de longues vidéos, genre 1 heure ou plus, je ne sais pas. C'est selon ce qui se produira, si je trouve des choses assez pertinentes pour les diffuser sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas, à partir de 500 abonnés, je vous ferai gagner des cartes cadeaux d'une valeur de 20 euros chacune. Ou, en tout cas, la valeur totale, c'est de 100 euros. Je peux pas, vu que ce sont vu que c'est mon financement, voyez, on va pas au début. Donc,
vous remercie de votre écoute, d'avoir fait visualisé cette vidéo. On se verra une prochaine fois. Lâchez des likes, lâchez des commentaires, like, dislike, lâchez des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Faites tourner, partagez max. Et si vous vous abonnez, surtout abonnez-vous, mais si vous vous abonnez, activez les notifications afin d'être averti des vidéos que je sors au fur et à mesure. Et si vous avez des idées, des défis, on fera tout ça ensemble, on verra, il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Ednoisat sur le Ednoisat Show. Allez, je vous laisse. Ciao!